Mes chers amis, bonjour. Voilà, eh bien, j'avais à nouveau un petit chant qui montait ce matin, que j'ai déjà peut-être mis en ligne, ou en tout cas qui est déjà sur mon site, Le Temps d'aimer. Mais écoutez, comme chaque chose, et c'est toujours, comment je dirais, et de plus en plus, peut-être maintenant, parce que on avance dans cette grande conscience que nous sommes, et ben, les choses sont prêtes à un moment et à un autre, elles ne le sont pas prêtes, simplement. On peut les entendre 10 fois et la 11e sera la bonne. Pourquoi? Eh bien parce que juste tous les ingrédients réunis pour que cela se passe sont là. C'est juste ça les champs de conscience aujourd'hui et l'énergie en fait. La grâce de ce qui est et s'accomplit lorsque, bien entendu, celui qui est censé recevoir est prêt. Et que tous les éléments autour de lui le sont aussi. C'est ce qu'on appelle les synchronicités. Je vous apprends rien. Mais ce qui est toujours intéressant à savoir, c'est que en temps, en heure et en joie, les choses arrivent pour notre plus grand bonheur, pas pour notre plus grand malheur. C'est juste ça qu'il y a à entendre aujourd'hui. Le plus grand malheur, c'est la voix de la peur. Et le plus grand bonheur, c'est la voix du cœur. Simplement, les deux ne sont jamais séparés. Ils sont unis. Et il y a un moment donné où nous sommes dans cette ouverture gigantesque que nous sommes. Et soudain, quelqu'un se saisit et se rétrécit. C'est cette part humaine, cette apparence que nous sommes, respectable et à respecter, surtout parce que sans elle, rien ne pourrait prendre ni forme ni racine. Ici, sur ce plan où nous sommes venus réaliser ce que nous sommes. Pour moi, je l'ai déjà exprimé, c'est notre dernière vie, c'est la chance de notre vie. Ça me fait penser à une chanson, tiens, prends ta chance ou je sais plus quoi. Bref, c'est vraiment l'opportunité gigantesque et magistrale de notre vie aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est si simple, peut-être qu'on l'oublie. Je veux pas dire que c'est toujours simple pour moi, n'allez surtout pas croire cela. Je vis aussi mon chemin, mais de plus en plus, en toute simplicité et humilité, je dois dire que les choses deviennent de plus en plus vivantes, puissantes, retentissantes. Enfin, on peut mettre tous les noms là-dessus. Voilà, c'est juste là, simplement. Et c'est tellement simple qu'on oublie de le vivre et de le regarder. Et ce matin, effectivement, je sentais, c'est la première fois que je vis ça dans mon corps, à un moment donné, vous savez, quand on se rétrécit, ah, je sentais ça dans mon corps, c'est la première fois que je sentais ça, je me suis dit, que se passe-t-il? Ouvre, ouvre grand, et je voyais ces deux parts qui ne sont qu'une. Et effectivement, être dans cette attention, j'ai envie de dire, dans cette présence de vie, il y a quelqu'un qui voit en soi, qui est plus grand que soi. Je parle souvent comme ça, effectivement. Cette part divine de la vie, cette part divine d'amour, qui est toujours, vraiment présente et bien vivante à laisser être. Et quoi que nous fassions, quoi que nous pensions, ce regard d'amour sur nous et en nous est toujours présent. C'est peut-être ça le plus beau des miracles, en fait, et qui peut tellement faire à la fois rire et pleurer parce que on n'en revient pas d'autant d'amour qui se déverse en soi et qui nous contient, qui contient le monde et qui est toujours ben là. Voilà. Alors ce matin, là, de tout à l'heure, dès que j'ai ouvert l'écran, me venait ce chant, je sens dans mon cœur, et je vais vous expliquer en deux mots l'histoire de ce chant qui est sur un air que vous allez reconnaître. Ce chant m'est arrivé il y a maintenant. Le temps va si vite que ça pourrait être il y a 1 an, mais je crois bien qu'il y a 10 ans, un peu plus, mais oui, mais 14 ans peut-être même, bref, c'est pas, peu importe, nous étions à la montagne, et moi
moi qui n'ai pas le vertige. Oh là 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 là, j'ai vécu le vertige de ma vie. Où on était monté à un grand sommet, c'était dans le parc de la Vanoise, c'était une région magnifique d'ailleurs, le bout du monde. Eh bien, c'était incroyable en arrivant à ce sommet où la montagne était grise, c'était des éboulis. Il y avait un vent gigantesque et on était présents. Et j'ai eu vraiment un vertige, mais incroyable. J'ai cru que j'allais jamais pouvoir redescendre, je me suis retrouvée par terre. Et voilà, il fallait appeler les pompiers, enfin c'était énorme ce qui se passait dans ce grand lâcher-prise qui était à faire, et il n'y avait rien à se raccrocher, comme dans la vie où nous sommes invités à ne plus nous accrocher à rien justement. Et en fait le lendemain, on a refait une ascension et c'est en montant que ce chant m'est arrivé. Donc c'est vraiment, pour moi, se remettre en Dieu, c'est toujours le miracle le plus merveilleux. Parce que lui, notre Père Tout-Puissant, est toujours présent. Voilà, j'en parle comme ça, parce que pour moi, c'est ce qui se passe. Voilà. Alors, je vais vous laisser venir le chant. Surtout à partager, j'étais très touchée l'autre jour de voir qu'Éole était déjà rendu au Québec et qu'il faisait le tour de la Terre. Peut-être, en tout cas, c'est merveilleux. Voilà, c'est fabuleux. Merci beaucoup. Alors, je sens en mon cœur, ça s'appelle. Je sens en mon cœur un amour sans peur qui droit devant m'emmène à chaque instant. Lorsque parfois en moi le doute est là, alors en toi je dépose mon pain. Et nanana, l'instant présent est le plus important. Alors en toi, ici et maintenant, amis, soyons-en un cœur uni. Rendons grâce en ce jour à la vie et à celui qui n'a jamais cessé de nous aimer. Je sens en mon cœur un amour sans peur qui droit devant m'emmène à chaque instant. Lorsque parfois en moi le doute est là, alors en toi je dépose mon pain. Ma main tu prends et tu m'emmènes droit devant. Dans l'instant présent est le plus important. Alors ensemble ici et maintenant, amis, soyons-en un cœur uni. Rendons grâce en ce jour à la vie et à celui qui n'a jamais cessé de nous aimer. Voilà, mes amis, que l'amour puisse être et vous porter, car il ne saurait à aucun moment s'arrêter. Il est le flot continu de la vie qui vous est donnée. Et vous dit chaque jour, bienvenue sois en vérité, car tu es l'enfant divin nouveau-né qui prend racine en ce jour particulier pour vivre l'amour que je suis, le devenir et le réaliser, et le manifester à ta manière au monde entier. Alors sois fier d'être qui tu es en vérité, et sois fier d'être sur ce plan incarné où tu es venu te retrouver, où tu es venu me rencontrer. Par la voie du cœur, tout est donné. Et à cela, je te conduis directement, bien-aimé. Le temps des peurs est terminé. Savoure le bonheur d'être la vie et toute sa beauté, toute la splendeur qu'elle ne cesse en toi et pour toi de dérouler. Laisse-la être et te porter par un vent de grâce qui souffle en vérité pour t'amener jusqu'à toi et te permettre de respirer la beauté et l'amour infini qui t'a donné. Tu es aimé. Par ce parfum du cœur, je viens te rencontrer pour dans une joie profonde et vivante te retrouver celui qui est et demeure dans ce bonheur incarné et demeure dans cette douceur d'être qui tu es et as toujours été. La vie, le souffle de celle-ci, l'amour et l'harmonie qui retentit, l'amour et la compassion que je te rends aujourd'hui pour à ton tour la toucher, la vivre et la laisser virevolter en toi et autour de toi
pour laisser tes frères prospérer et tes sœurs retrouver la grandeur et la beauté qu'elles sont et ont toujours été. Par le souffle de la vie, je te saisis. Par le souffle de l'amour infini, je retentis. Et par la grande déesse que tu es, je te salue aujourd'hui pour laisser place à l'immense tendresse que tu es dans cette vie et à la déesse mère que tu es depuis toute vie. À être et à aimer, je te conduis. Tu es la vie. Tu es béni, garant de ton cœur, je suis.